Manoa. Chomari d'Azrebi. Oula, dis-moi. Ya. Isaya, Chomari d'Azebri. Ya. Liam, Chomari d'Azebri. Ya. Elouan, Chomari d'Azrebi. Ya. Maëlène, Chomari d'Azrebi. Rainer Skol Diwan Naon Ed, on met. Erskol Vraz et au Niblij Diomlar et au Erskol Diwan Vrasan Erbeet. Eixklas Azo, Kant Seix Bugel Atriugen. Agarbal Azo et Vroas Mior. Ivar à Hanugen Formille Azo. Erskolman et Zestud à Orin Abebsor Brouillou. Je suis originaire du Gabon. En fait, je suis d'origine africaine, Peul du Sénégal. Je suis de la République démocrate du Congo, l'ancien Zaïre. Je suis d'origine néerlandaise, hollandaise, comme on dit communément. Je viens du Sri Lanka. Sénémarnaise à l'origine. Je suis en Guadeloupe. J'ai une origine bretonne de par mon père. Je suis originaire de Madagascar. Ganetambet et Bourbaris. Donc sartois, avec quand même une maman d'origine, enfin, qui est bretonne. À l'origine, je cherchais une école bilingue. J'avais envie que Chaï parle une autre langue. Et sachant que moi, à la maison, je parle français, ma langue d'origine, je ne pouvais pas lui apprendre correctement, vu que je ne la parle pas très bien. Alors le fait de lui mettre dans une école Diwan, c'est vrai que c'est du breton, c'est pas ma langue d'origine, mais c'est un échange que j'ai avec mon enfant, un enrichissement personnel entre Chaï et moi. Ça vient de moi parce que j'ai fait un stage à l'école Diwan et j'ai vraiment apprécié la structure déjà, l'ambiance, et ce qui m'a impressionné, c'est le fait de voir tout le monde parler le breton, donc les enfants, les adultes. Et j'étais impressionnée vraiment, j'ai dit comment ça se fait que tout le monde parle le breton comme ça. Et je me suis dit, ma fille, ma première fille, j'aimerais bien qu'elle aille à l'école Diwan en fait. Nous avons trois enfants qui sont nés ici, à Nantes. Et donc culturellement, enfin historiquement pour nous, Nantes c'est la Bretagne. Par le fait, on a voulu qu'il s'intègre à la Bretagne, qu'il connaisse la culture bretonne. Et Diwan était un choix pour leur permettre de s'ouvrir sur la Bretagne. Piou, avoir l'art des maths et yézoual. Piou avoir, sa vie topi, sa riawar. Ah, Weloudaran, Mila, Pénos et l'art tadique. Hola. Oh, Mila, la rola, Annie, à l'art. Hola, Mila. Bleuen, Pénos et la res bleuen. Gute morgen. La crin fort. Gute morgen. Oh, la varie de bugalé. Gute morgen bleuen. Elliot, Pénos et l'artadique. Gute morgen. Annie à l'art d'Eliot. Gute morgen Elliot. Une en a le roi. Adèle, Pénos et la res. Pépi. Maëlène, Pénos et la res. Hello. Hello, Annie l'art. Hello. Hello, Maëlène. Gant pepiez eveka set eveka set idoar esperet neveke prederiet mem ez douare pave komzek gant ur yez hag ur yezal hag an dra zo sur gant ar brezonek e ken ver ar galek hag blam d'an drae e vo aez ur dei just a war beant digor speret d'ar yezoual. Même dans le ventre, je parlais déjà à Djibril le Peul. Et puis je sais aussi que c'est un vrai privilège que de pouvoir rêver et penser dans des univers différents. Djibril donc est métisse avec du sang breton, français et Peul. Et pour moi, c'était extrêmement important que Djibril puisse apprendre d'autres langues que le français et d'autres langues que mes langues d'origine. Ni peut choisir ce qu'on dit monde peut jouer faute d'homme que mon collègue que d'Elodie la cadre Angèle de Zeschkin en Brunec
Gunaimi peut dire Gonzan Brunekuti à Odé Gandediger. Avec Kawit, on descadurer divière que oui. Peut dire échange en ni et Ndra, Talwoudus à Poésus avec le budget là, à vraiment. Dao, dao, dao. Dao, dao, dao. Bismuth, Bismuth. Azimuth. Je suis fier de dire quand je vois les Bretons, mes enfants ils vont à l'école breton, ils parlent en breton. Et certaines personnes, des fois, ils parlent en breton. Quelques mots, hein, les gens qui connaissent, hein, ils disent des maths. Enfin, je vois mon père, mon papa, donc c'est une question qu'il avait pas occultée, mais c'est vrai que dans sa famille, on parlait plus le breton, mais bah, il s'y est rattaché, il a acheté des livres, il a voulu communiquer, apprendre des mots en breton. Enfin, on a retrouvé, recréé un lien dans la famille qui avait peut-être été coupé au niveau de mes arrière-grands-parents quand même. Niwake komzet et brezonek lermawan beganet, niwake komzet et brezonek ganmazut. Newake komzet ganin ebrezonek pawan yawank. Marteze tutkoz mazutkoz awa komzet brezonek peget ganto. Fors penos ewa ur sevenadur ganto. Hag mea son jedin be amam an darl. Komprenet meus marteze be ewa ret mont da glas kentam pelor hag gouzout be petawa ar grouizio hag petawa liamo gant an amzer tremenet. Hag e gise, meus komprenet, meus kavet ar sevenadur hag ar yez. Panem gavet gant Rodolf. An anini oa ganet e breiz, dedenet e oa gant ar sevenadur z breiz. Hag deux edan dave an dedenet e gise, tamatam. Tapet ton eus neuet kentel yonoz, evit eskeet ar brezonek, hag e gise o devet ar brezonek ganin tamatam. Honez zo ma da zebi, ya. Mais des voix. À gazé ouillé. Ya, maman. Maman. Ya. Ya rune. Dis donc, mère. À gonan et vidoute, vraiment. Quand j'étais petite, pour moi, je pensais que la France, c'était un seul pays, que c'était pas départagé. Non, j'avais jamais entendu parler de la Bretagne, du tout, du tout. La culture bretonne, elle est vachement prononcée, quoi. Et puis, ils revendiquent haut et fort qu'ils sont bretons et qu'ils sont français, c'est sûr, mais qu'ils sont bretons, quoi. Et ça me rappelle un petit peu la Guadeloupe, parce qu'effectivement, les Guadeloupéens se disent français, mais ils se disent avant tout Guadeloupéens, quoi. Avec leur propre langue, leur propre culture. Agenami, Périeux. Orange. Oranges. Ah, c'est Mosen. Ah, Ressens au Dédénus. Réwen, vous la cadeau? Pas. Ju. Monsieur Descott Branek peut être bien, Descamus peut être Grenart, trop Pemzek, Poirzek Blé, Ndramosen, Krogamus et Skoulage à Gay Lycée Arler, que de option Yao à Hager School. Galère, monsieur Liet, Berntreu, elle est stageuse avec de Redate, puis Cantadionos, Ennion Mounet de Bellette Rigour, avec Tapedor Pouesmoès. Une bonne partie de la musique bretonne ou de la culture me fait vibrer, on va dire. Je retrouve des liens avec ma propre culture nordique. C'est pas pour ça que je deviens fanatique de la culture bretonne. Il n'y a pas que la culture bretonne dans la vie, mais je la défends avec ferveur, oui. Faut qu'elle existe. Nous, on est, on va dire, neutre vis-à-vis de la langue en soi. Mais effectivement, on est défenseur de culture minoritaire. Comme ça, on n'aurait pas du tout retrouvé à une école anglaise, par exemple. Madagascar a été colonisé. Moi, j'ai mon grand-père qui est breton, justement. Il est allé travailler là-bas, enfin, dans le cadre, oui, militaire. C'est comme ça qu'ensuite, il a rencontré ma grand-mère.
et voilà, qu'est née ma maman, et du coup qu'elle est déjà métisse, malgache, breton à l'origine. Quoi. Je me suis toujours posé la question, quand j'aurai des enfants, de pouvoir leur apporter une certaine culture. Malheureusement, je n'ai pas vraiment une identité que je peux leur donner, ou malheureusement, je n'ai pas envie de leur donner celle que j'ai, c'est-à-dire celle d'une cité de Seine-Saint-Denis, qui pour moi n'est pas d'une part valorisante et d'une part sur laquelle ils peuvent se raccrocher. Pour moi, il était naturel, une fois sur Nantes, de les emmener vers la culture bretonne, dans la mesure où ils vont vivre ici une partie de leur vie. Après, ceux qui feront le choix peut-être de partir. Mais en tout cas, pour eux, ça va leur donner cette force que peut-être certains enfants n'ont pas actuellement, c'est de pouvoir se raccrocher à quelque chose d'identitaire. Gant Petra Blut Neki Louz Louz eo Akor Maëlik Chilaouid Maëlik Chilaouid Maëlik. Au niveau de la famille, on a dû expliquer notre choix. Le breton n'est pas une langue qui est couramment parlée. Donc il a fallu leur expliquer vraiment notre implication là-dedans. Ils ne comprenaient pas pourquoi on avait choisi une école d'Iwan. Ils nous ont fait confiance. L'inconnu fait peur, tout simplement. Donc ils n'avaient jamais entendu parler de cette école, d'où leur réticence aussi. Quand tu l'as mise là-bas, ça sert à quoi le breton? Donc il y en a d'autres qui prononcent des expressions, voilà, je ne vais pas prononcer. J'ai dit non, mais on a bien apprécié l'ambiance, la pédagogie, comment ça fonctionne. Et on s'est dit que pour Manoa, ce sera un plus qu'elle aille à l'école d'Iwan. Ben moi, ce qui me concerne, c'est la réaction de ma mère. Mais pourquoi tu l'inscris dans une école bretonne? Parce que c'était aberrant. Ça ne sert à rien. Je dis, mais c'est pas dans le but. Je vais expliquer. Il a fallu que je lui explique le principe. Pourquoi on inscrivait Elliot dans une école où il apprendrait le breton, mais ça va lui servir à quoi plus tard? Mais c'est vrai que c'était une grosse inquiétude. Est-ce qu'il va pas prendre du retard sur son français? Ça, c'est la grande interrogation. Oui, effectivement, s'il apprend le breton et son français, comment il va apprendre à lire et à écrire le français? Ça a été un débat entre Mariam et moi, aussi avec la grand-mère de Djibril, côté paternel, qui était elle-même enseignante de CP. Je pense que c'est au niveau des grands-parents, et notamment de la grand-mère, qui avait des craintes, un peu chez Mariam aussi. Moi, j'avais une totale confiance en la capacité de l'enfant qu'est Djibril à l'âge qu'il a, de pouvoir complètement absorber une deuxième langue, et puis rassuré aussi par l'équipe pédagogique et par ce qu'on avait glané à droite à gauche de ce qu'était l'école d'Iwan. C'est du marron en glace. Charlotte, tiens. Qui est Charlotte? Ah, c'est ça. Une rotéreuse. Ulysse, c'est rentré dans mon verre. Ulysse. Après, Iwan. Au Sri Lanka, mes parents, quand j'ai lancé que je vais mettre dans une école qui n'est pas, qui parle pas français, qui parle un autre langue, ils m'ont demandé c'est quoi comme langue. J'ai dit c'est une langue très très ancienne qui est en train de disparaître. Mais voilà, et ils ont tout de suite dit et ça fait de l'impact pour l'éducation. J'ai dit bon, ça m'étonnerait, mais on va voir qu'est-ce que ça donne quoi. Je crois que nous on a été éduqués aux Pays-Bas. Des tout petits déjà avec plusieurs langues, et on sait effectivement que ça ne pose aucun problème. Au contraire, ça peut l'être pour des parents qui ne parlent qu'une seule langue, mais pas pour l'enfant. C'est un bien. C'est vrai qu'au début, c'était une crainte pour nous, parents, et on a joué le jeu. Sunny is beautiful.
premier jour à Diwan, ça a été... je voyais Olir parler en breton à Elliot et Elliot faire comme s'il comprenait tout. Je me disais, mais c'est pas possible, je rêve, je dois être dans un rêve. Parce que on avait l'impression qu'il avait toujours parlé le breton. Donc il ne traduit jamais. Bon, il y a aussi la volonté de garder, je pense, cette langue secrète pour lui, puisqu'il sait qu'on ne la parle pas. Et bon, je sais qu'il y a des frères et sœurs, les parents qui disent que justement les frères et sœurs en profitent pour se parler en breton pour que les parents ne comprennent pas. Quand il parle breton, au début il ne voulait pas que j'entende ce qu'ils disent parce qu'il a très bien compris que maman ne parlait pas breton. Et c'était sa partie intime, c'était son intimité en début d'année. Et au fur et à mesure de l'année, Chai s'est investi à l'école, il a appris à dialoguer et il nous a fait partager quelques mots. Que lui a choisi par contre. Voilà. Et ça, ça entre dans la communication à la maison, ça fait partie de notre langage de tous les jours. Comprenara ar brezhoneg hag ar galek matkenan, a komzara e brezhoneg pe galek, ervez an den a zo komzouti. C'est Chai, mon professeur. Il m'apprend à chanter, à dire des mots et il veille à ce que la tonalité soit là et que les mots soient appropriés. Et. Il y a un échange qui est là, il ne nous apprend pas avec la traduction, il nous apprend comme il a appris à l'école. C'est vraiment au fur et à mesure qu'on apprend. Ils ont tendance à passer très facilement d'une langue à l'autre en fait. Je veux dire que ce soit le français ou le breton, je suis très surprise à l'école, dès qu'on leur parle breton, ils répondent très naturellement ou autre. Quand leur père leur parle en cingalais et quand on va au Sri Lanka, parce qu'on y va une fois par an, Ils enregistrent très vite les mots et ils les répètent très très vite. Alors, je ne vais pas dire non plus que c'est forcément parce qu'ils sont dans une école où ils parlent une autre langue, mais j'ai vraiment l'impression que ça leur apporte énormément. Parce que Saman commence déjà à nous dire qu'il veut apprendre l'anglais. Vraiment, un dieu d'avoir mat et au poésus, béant du yézek, quand du sup, quand t'arrives, et on drava des vidéos vite ne se force pas sortir de la route. Et je pense qu'à partir du moment où il entend du néerlandais, il entend de l'anglais à travers certains dessins animés qu'il a, il entend du breton plus tard, s'il entend d'autres langues, il pourra les apprendre d'autant plus facilement. C'est un pari sur l'avenir des autres langues. Il va être amené à croiser d'autres langues. Là, on sait qu'avec un apprentissage assez rapide, quand va arriver l'anglais, quand va arriver d'autres langues, on le sait, les études le montrent, que ce jeu avec les mots, avec les langues, avec les différents courants de langues, va être beaucoup plus facile pour lui. Le fait de pouvoir jongler là entre le français et le breton va lui permettre de pouvoir jongler avec les autres langues beaucoup plus facilement. Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Diwan a zo ur skol mod famil. Dija, piz gwir eo red da reren kemerpe a zo bu ur skol. Neue, bu an awar eve an avezet ar reren tal, ma zo sur gunen gantunan, eral goulen chikour gant ar real, ma zo sur ma vank un drabenak eral goulen gant ar real ie, hag damson je zeus mur al yamou gant ar famiou, barz, enfin, meson je din, barz ar skol diwan, enfin, barz ur skol d'an ebetan, eget hor skol benagal. Dija vel aret hor skol. Neket skol hor bugale, pe skol l'er ma ia hor bugale, e hor skol, just avoir, ni a ie a zo bar skol. Amant evel nol skol you diwan e rank
en tadou à Garmamou, Kemer Perse et Bué Arskol, Eb Arfamiyou, Eb en tadou à Garmamou, Nevefeke, deux Arskolou Diwan. Ineo Arskoler, Yen Rawardro, Arbedagogies, Agar Vugal et Arvue Erlasou, Aga Arfamiyou, à Rank, Ober, Wardro, Perez Arskol, Gopra en Implijidi, Nasquer. Arskoise Alérienne, puis Implijidi à Rempen, Peya Ferme, Fermenti, d'Antiquaire. Quand le directeur, qui à l'époque n'était pas Olière, mais était Christophe, nous a dit on demande aux parents de s'impliquer et de comprendre le rôle associatif d'une école, je leur ai dit mais c'est aussi pour ça que j'inscris mon enfant ici. C'est parce que j'ai envie de m'impliquer en tant que parent. Je me souviens d'une des premières choses qu'on a dit, on ne veut pas d'une école où les enfants, ils déposent leur enfant le matin pour venir le rechercher le soir et qui ne font rien d'autre que ça. Oui. On avait envie de participer à la vie de l'école. J'établis des factures, les factures de garderie pour les parents, et puis je procède à l'encaissement de leur règlement. J'assiste au Kerzibus, qui est le fait d'accompagner les enfants depuis un arrêt d'autobus jusqu'à l'école. Donc on est plusieurs parents à faire les accompagnements à tour de rôle, deux fois par semaine. Et ça se passe très bien, ça fait 2 ans ou 3 ans que ça dure. Kerz en breton, c'est se promener. Et nous avons traduit le mot pédibus en kerzibus. Et puis parfois je fais des petites représentations, des petits spectacles à l'école. Le dernier en date, ça a été un spectacle sur Madagascar. Des maths, Bugalé, Madère. Madère-je ? Eh bien maintenant, je vais vous poser la même question dans la langue qu'on parle à Madagascar. Et comme en breton, pour dire oui dans la langue de Madagascar, on dit ya, d'accord ? Salamari anziki, mana ona yanareo. Eh bien, vous savez comprendre le malgache, c'est très très bien. Petra Aizé. Hanaro Fatimete ratonye Hanarunar Hanarunaro izie. Di babet e wabet ar skol diwan dreistol evit an doare da gelen ar brezonek dresubitikez. Da c'houde, on eus gwelet e oa mad ar pedo de giez, bar skol, ur seurt li amou a oa etre ar bugale, etre ar gerentie, gant ar gelenerien, hag ur speret mat e oa etre an dud, evit sevel ar bugale, ya. C'est pour ça que j'ai choisi aussi cette école, c'est parce qu'on a le pied dedans, c'est parce qu'on est acteur dans cette école et que autant nous on a besoin de l'école pour nos enfants, autant l'école a aussi besoin de nous pour tourner, donc il y a un échange en fait. Nos amis en grande partie sont des parents d'élèves. Quand vous avez fait une manifestation tout un week-end avec d'autres parents, forcément quand vous allez à l'école, il y a un échange qui se fait. Et aujourd'hui, eh ben, non seulement ça implique que notre famille maintenant vit à leur diwan et vit à l'heure de cet apprentissage. Et on est vraiment structuré par rapport à ça dans notre manière de vivre au quotidien. Tout marche un peu comme ça aujourd'hui pour nous. On va à des fest-noz, ça rythme notre vie aussi.
J'avais pas conscience en inscrivant Elliot à l'école d'Iwan que ça pouvait participer à un projet de continuité de la langue bretonne, de la faire connaître, de la faire toujours vivre. Parce que c'était pas, pour moi, c'était pas la raison essentielle qui m'avait amenée à l'inscrire. Maintenant, je me dis oui, effectivement, en tant que parent et en tant que parent d'un enfant qui apprend le breton, oui, on est là pour défendre cette langue et pour continuer à la faire vivre. Mais pour moi, c'est ça qui importe. C'est continuer à... Le latin est une langue morte, le breton, ce serait bien que ça ne devienne pas une langue morte. Voilà. Tisha, il progresse dans l'école d'Iwan, il aura un parler courant. Je pense que ses enfants seront imprégnés. C'est quelque chose qui va poursuivre. Ouais. Moi, je suis en tout cas fière de faire partie de... Oui, de me battre pour que une langue puisse exister, puisse être parlée, et que voilà, si on dit à un enfant je suis d'origine bretonne, si on peut lui dire quelques mots et parler aussi dans sa langue, bah je trouve ça fantastique. Et ça s'adresse pas forcément qu'aux immigrés qui ont traversé des frontières. Je me bats pour les langues minoritaires et particulièrement pour le peul à coup de breton. On peut dire ça comme ça. Ti metera togne hanarunaro hanarunaro izie.